prends tout ce que je peux. Hein. Pensez qu'on peut essayer de les enlever ces portes, messieurs. Que pensez-vous? Est-ce qu'on essaye ou est-ce qu'on part? Je peux les ouvrir, mais il faudra que quelqu'un soit derrière au cas où. Hein. On est derrière, Gary. Attendez, vous entendez ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas un garage? Il est là. Oh, oui. Eh bah dis donc. Ah, vous me bluffez, William. Je commence à avoir l'habitude, mais vous me donnez de la force, messieurs. C'est grâce à vous. Derrière vous. Derrière vous, Jake. Oh, merci. Je crois bien que vous m'avez sauvé la vie. Ça fait partie des compétences de Gary. Un homme plein de ressources. Oh, mais je peux bien ouvrir cette porte, hein, mais après, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Peut-être pas, Gary. Ce qu'on cherche surtout, c'est de la nourriture, hein. Oui. C'est vrai. Il y a peut-être, la petite, là, il y a l'air d'y avoir une espèce de buanderie. Peut-être ici. Allez. À mon avis, il y aura personne à l'intérieur. Après tout ce que... Jeff, vous avez fait un saut à l'étage? Ouais, moi j'ai fait un saut à l'étage. Il y a des chambres, mais il n'y avait pas grand chose. Il y avait une sorte de petite buanderie où il y avait un marteau et une pile que j'ai récupéré. Salle de bain avec des antidépresseurs. Et après, d'accord. Qui ne s'ouvre pas du coup. D'accord. Bon, il nous faut surtout des couchages. Mais là, il n'y a pas grand chose. Après, s'il y a des matelas sur les lits, on peut peut-être prendre au moins les matelas des lits à mettre dans la voiture. Il y avait des matelas, du coup, effectivement. Je vais prendre cette télé. Ça aidera au divertissement pour les personnes, je pense que... Hop, juste un sac. Les gens ont besoin de se changer les idées. Ah, un sac, super. Je prends le lit en entier. Non, juste le matelas, Jay. Récupérer juste le matelas, tous les lits, ça va être compliqué. Alors le matelas, j'ai l'impression qu'il est fixé avec le lit. Je vous avouerai que j'arrive pas bien à récupérer que le matelas. Ah, attendez, je vais venir vous aider. Vous êtes où? Ah, ça y est, je vois. Là. Hop là, attendez. Hop là, attendez, c'est vrai que c'est lourd ces trucs là. Attendez, à la 1, à la 2, à la 3. Allez, allez-y, passez devant. Comment est-ce que vous avez fait tout ça? Comment vous avez fait votre affaire? Oh bah c'est, écoutez, les matelas surtout sur les lits comme ça, les king size. Non mais c'est vraiment le luxe, hein. ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué de revenir en arrière, hein, si on perd tout ça, les messieurs. Ah, c'est vrai. Oula. C'est bon? Il est un peu extensible, bon. Ce matelas, mais ça passe. C'est du bambou véritable. Attendez, je vérifie de ne pas me faire croquer les fesses pour un matelas, ça serait dommage. Hop là, putain, on arrive même à le tordre, incroyable. Mais oui, bah il est mou, c'est normal. Allez, hop! Voilà. Ouais, et claque. Bien joué, bien joué. Ah, vous voyez. Tout simplement, Jay. À plusieurs, on va plus loin. À plusieurs, le matelas, il va dans le coffre. Allez, parfait. Bon, est-ce qu'on irait pas... J'ai vu juste face, là, il y a une maison encore. Bah oui. On a vu le butin, on enchaîne, j'ai envie de dire. Ah ouais, parce que là, si nous on sait, on y passe, d'autres y passeront, il n'y aura plus rien. Hein. Mmh.
avait un livre du trappeur niveau 4 à l'étage, ça vous intéresse ou c'est pas... Ah bah pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Peut-être que ça pourrait intéresser des gens à l'église. Le garage, messieurs, est-ce qu'on a réussi à l'ouvrir? J'ai pas l'impression. Ah, attendez, alors attendez, si ces maisons, c'est des maisons comme ça, faudrait passer par le dedans, ouvrir la porte. Alors attendez, je vais... on va rester encore 2 minutes alors. Matériel pour les voitures, ça peut toujours être précieux. Hop là. Oula. Pas mal. Oula, oui. Oh lolo. Oula. Eh ben, y a de quoi s'amuser là. Y a de quoi se divertir. Allez hop, tout ça dans le camion, messieurs. Je vous dis, les gens ont besoin de... vont avoir besoin de s'amuser, là. Puis même les cartons, je vais les récupérer. Peut-être même que l'étagère pourrait être intéressante, Gary. Allez hop, on prend tout. Ah, ce bruit de porte. Oh là là. Je vous avoue même que là, je vois qu'il y a un slip tout neuf et des chaussettes toutes neuves. Là, je vais les prendre aussi. Allez-y. Fait longtemps que j'ai pas changé de sous-vêtements. Hop là, ouais, dites, elle était rouillée avec le temps. Hein. Ah bah j'ai vu ça, peut-être avec le froid aussi. Ces ballons. Ballons de football américain. Je vous ai récupéré le reste de l'étagère. Ça va changer les idées des personnes, hein. Ils vont arrêter de s'entretuer. Ça manque d'amusement, on manque de revenir aux sources dans le coin. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. C'est vraiment une belle prise. Allez, et ben passons à la suivante alors. Allez. On avance les véhicules ou on les laisse là? Gardons-les près de nous, certainement, je pense. Oui, on va avancer. Vous avez raison, Jay, vous avez raison. Il y en a déjà à l'extérieur. Saint-Pierre, aide ses pêcheurs. Un casque. C'est verrouillé. Mais l'accès à la cuisine a l'air dégagé. Ouh, attention, il y a des... Ouais, ils sont 4 à l'extérieur. Ouh, bien plus que 4 au final. Ah mon dieu! Allez, retourne dans les enfers. Attention, il y en a d'autres qui arrivent depuis la route aussi. On est très proche de la grille, en effet, Jay. Nombreux, faites attention. Attention à vous. Ah. J'ai derrière vous. Une voiture qui vient de passer. Ouais, je l'ai entendu.
Mais j'ai l'impression qu'elle s'écartait de l'endroit. Là où j'ai. Encore, j'y vais. Vous y allez, parfait. J'ai réussi à ouvrir une fenêtre dans la cuisine, messieurs. Quelqu'un a trouvé une ouverture dans la maison ? Super. Oh, qu'est-ce qui caille ? Mais quel chef ? Ça fait pas. Il faut se mettre au chaud, Gary c'est toujours le premier. Hein. Ça fait partie du kit du luxe, avoir son majordome ouvreur de porte. Je fais un petit tour de la maison pour si regarder. Si vous me payez, je dirais pas non. D'accord, Jay. Bonne idée en plus. Vous payez, Gary ? Vous payez en quoi nos jours ? En bouffe. Bon, j'ai vidé la cuisine. Super. Je vais regarder le garage. Je vais faire un point à l'étage. Pas grand chose dans le garage. Je monte avec vous, Jay. Très bien. J'ai trouvé des gants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a besoin avec ce froid ? Ah oui, complètement. J'ai froid aux doigts. Depuis bien longtemps. Ah, ça va être, je vais maîtriser encore mieux la lame. Merci. Oui, je vous ai mis là. Ah. Décidément, avec mon équipement, là, j'ai l'impression qu'on... Je vais partir au ski, messieurs. Il me manque les moon boots. Ah, c'est verrouillé ici. Gary, oh, peut-être que ça pourrait être intéressant pour un nouveau matelas. Ah bah, il y en a un là, super. Il y a un nouveau matelas, il y a un petit revolver, alors j'y connais rien, un M625. Je sais pas si c'est intéressant, et il y a une petite boîte de munitions avec, je vous la prends au cas où. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Si vous êtes pas à l'aise avec les armes, Jay, vous pouvez me la donner, hein. Moi je suis à l'aise, mais maintenant voilà, gardez-la sur vous, si vous pour avoir ça plus tard si vous voulez, ou gardez-la sur vous. Ça vous embête pas de ne pas avoir une arme, pour vous, au moins pour faire peur ? Bah c'est vrai j'ai toujours eu peur depuis que je suis parti à la chasse avec mon père et que l'arme n'était pas très bien entretenue, qu'elle a explosé dans sa main. Vous avez vrai que depuis tout petit maintenant j'ai pas vraiment, enfin j'ai toujours peur d'utiliser, d'appuyer sur la cachette. Bah oui, j'entends ça. L'avoir à la ceinture, ça pourrait être intéressant, mais si j'en ai une, ça sera sans munitions. Bah mais vous savez, pas besoin de munitions, des fois quand il faut pas discuter avec des personnes mal intentionnées. Vous avez raison. Du coup je vais essayer pour faire peur d'avoir une machine gun. Ah ouais, bah, c'est peut-être un compromis. Ouais. Là, même moi, si vous commencez à sortir ça, même moi je me rends sans souci. Oula. Ah là là, mais ça me surprend à quel point vous arrivez à enlever des portes d'une telle rapidité. Oh. Rapide, il suffirait de les enlever des gonds, oui. Une belle veste en cuir là. Ah, c'est encore verrouillé. Sans trou. Oh, ben dites. Faites voir si elle me va pas. Oh là. Ah non, j'aime pas le style. Ouah, ça fait. Non. Vous avez trop d'épaules, Gary, ça vous va pas. Oh, je me sentais serré. Bon, même si là, je vous avoue, avec l'étagère, je vous vois mal, mais. Mais non, mais je préfère ma veste. Au moins, ça me couvre les fesses. Ah, on sait jamais. C'est une morsure de moi. D'accord, alors vous tapez comme ça, et ensuite surtout, évitez de taper votre main, hein. D'accord.
Ah d'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse un casque, messieurs? Je viens de trouver un casque. J'ai pas de CD de quoi écouter. Ah non, je veux dire un casque de protection pour votre tête. Oui, vous avez raison, il fallait que je précise. Pour l'instant, ça va aussi, je vous remercie. D'accord. Ah, je peux plus prendre la chaise. Je suis un peu. Je vous la récupère. Je vais m'occuper du matelas. Je vais descendre au camion parce que je porte beaucoup de choses là. Eh oui, il reste ici. Non, je vais démonter ça avant. Je récupère la laisse pour chien, ça me rappelle des soirées avec ma femme. Oh là. Ok. Faites attention, Jay, les certaines pratiques ne sont pas... comment dire, le Tout-Puissant voit tout. Pardon, c'est vrai que je suis en présence d'un prêtre, excusez-moi. Ah, c'est surtout, vous savez, je pense que toutes les personnes qui... dans lesquelles nous plantons nos couteaux et nos matraques ont péché pour en arriver là. C'est pas pour rien si nous sommes encore en... Attention, il est Jay. Oh mon dieu. Il était si proche. On papote, on s'amuse. Mais et... oui. Hop là, on se fait croquer. Ah désolé, j'aurais dû me taire. Non, c'est moi, du coup, je vous ai parlé de ma vie de tout avant, j'aurais pas dû. Ah si, pas de soucis. Non, je vous disais juste, oui, je pense que ces gens-là ont péché pour en arriver là. Il y a, Dieu fait la part entre tous ces marcheurs et nous. Après, du moment où deux personnes sont consentantes, est-ce qu'on peut considérer ça comme un péché ? Le plaisir et la luxure, Jay, vous savez bien. C'est vrai. L'homme s'y perd, la femme aussi. Bon, mais sur ces belles paroles, on continuerait pas. On enchaîne, Gary, tout à fait. Froid, hein. Et c'est qui fait froid, c'est qui fait faim. Y aurait-il quelque chose à manger là-dedans? Non, rien du tout. Ah si, là. Attendez, je récupère un sac, messieurs. Hop. Mes doigts gelés. Mais ça va faire du bien. Tac. Ah bah écoutez, il est déjà parti, Gary, Jay. Ok. Bah je vous laisse le suivre. Ouais, dès que j'ai c'est la prochaine... De remplir. D'accord. Je suis déjà à la nouvelle maison, messieurs. Je passe par les arbres. On voit que plus personne n'entretient ces... Encore des marcheurs sur l'aventure. C'est ouvert devant. Oh mince, ma lame. Je fais le tour de la maison. Ah. J'arrive, Gary. Ah mon dieu, je vais éternuer. Ah. Ce froid. Ah, je m'en suis mis plein l'écharpe. C'est dégueulasse.
dans la tête. Par Saint-Pierre. Par la Sainte-Fourche. Je commence à être habitué à tout ça. Ça arrive encore un peu, j'ai cru en apercevoir un. Deux. Ah, je vais encore moucher, messieurs. Ils sont quatre. Vraiment désolé. Ne vous excusez pas pour votre rhume, hein, c'est... Encore une fois, vous n'êtes qu'un homme. Certes, un homme de Dieu. Ah oui. Vous n'êtes qu'un homme. Ça, j'aurais su si ça m'avait protégé des maladies. Ça m'a l'air plus calme. Décidément, hein. Il y a quand même un petit peu de monde ici. Hein. Allez. Je repasse sur l'aventure, messieurs. Attention, j'en vois un qui tape sur une porte. Peut-être que si vous rentrez par derrière, vous allez être surpris. Ah bah non, Gary s'en occupe, évidemment. Incroyable. Hop là! Ah, vous êtes là, ah ouais. Je vous avais pas vu. Mais moi, incroyable. Oui. Je m'occupe de la cuisine. Oh, des toilettes. Je vais voir si on a de quoi nous sustenter. Ok, je vais aller voir au garage. Un radis pourri, ça commence mal. Ah. Y a des portes qui sont fermées à l'étage. Ah, j'ai trouvé la clé de la maison, messieurs. Oh. Ah, parfait, ça m'évitera de tout démonter. Et une bouteille d'eau supplémentaire, super. C'est bon pour la cuisine. À l'étage, la porte, vous avez dit, Jay. Exact, c'est la première en montant. C'est parfait. Et encore un matelas. Oh, cette petite veste en cuir. Du matériel de pêche. Ah, ça c'est intéressant. L'un d'entre vous s'est pêché, messieurs ? Ah ça non, par contre. Non plus, je vous avouerai. Le lac de Ekron n'attend que nous. Oui, mais je pense que c'est comme tout, ça s'apprend. Oui. J'ai l'impression que l'étage a été réalisé entièrement, messieurs. Allez hop, ça c'est fait. Et hop. J'ai l'impression qu'on part à la déchetterie de tout balancer comme ça dans le camion. Ça me rappelle de vieilles histoires. Les déménagements quand on quitte nos parents. Oula, oui. Oh, ça date pour nous. Oh oui. Ouais.
Je n'ai jamais eu d'enfant, moi, messieurs, donc c'est vrai que je n'ai jamais eu l'autre versant de la chose. Ah, les miens n'ont pas eu. J'ai pas eu le temps de voir l'autre versant. Encore désolé pour vous, messieurs. On a bien voulu, mais on n'y est pas arrivé. Vous pensez qu'on a fait le tour ? Il y a une boîte à outils et une ampoule ici, je vais prendre. J'ouvre le garage. Hop, et ben on peut peut-être passer à la suivante. Ouais, niveau nourriture, vous avez trouvé des choses intéressantes, parce que j'ai l'impression que c'est pas quelques si boîtes. Pas mieux que ça. Ouais. Oh si, il y avait quand même quelque non, chose mais... sympa, ouais. Si, ok. Oui, quelques on a de quoi grignoter en tout cas. Après, je pense qu'on a fait que 3 maisons, hein. Ouais, mais en tout cas, les en tout cas, c'est pas vide, c'est ça qui est intéressant. Oui, exact. Ce qui est étonnant d'ailleurs, hein. Ouais. Étonnant, je sais pas. Ça ressemble beaucoup à. Je me demande quel genre de personne habite ici. Dans un country club, ne serait-ce pas des maisons de vacances? J'avais pas vu, on reste tellement de temps dans ces maisons, il commence à faire jour. Mais oui, ça file. Mais j'y pensais, messieurs, ne serait-ce pas des maisons de vacances, en fait, ce que nous sommes en train de... Bah, de piller, c'est le mot, ça me fait mal de le dire. Un country club, qui habite dans un country club? Des retraités Peut-être. Ah, oh, je suis à l'intérieur. Il y en a quelques-uns à l'extérieur. Je pense pas que je puisse tous me les faire seul. J'arrive. Bagarre de blouson au cuir, Jay. Oui, j'ai trouvé ça dans la maison précédente. Le mien commençait à être un petit peu en mauvais état. J'ai trouvé un nouveau jean aussi gris. Ah. Je suis prêt pour. Votre cuisse va enfin arrêter d'être bleue. Petit défilé. Exactement. Retour dans l'enfer. Allez! Bien joué, mon père. Oh, c'est épuisant. Gary, vous allez bien? Épuisant, mais ça réchauffe. Test radio. Ah, attendez, je l'ai pas bon. Attention mon père, vous en avez 2-4 à votre. Ah droite. Oui, en effet, il y en a beaucoup derrière là. Tigari. Oula. Attention Gary. Ah, j'ai fait une bêtise là. Désolé, j'ai eu peur, j'ai pas réfléchi. Ne vous inquiétez pas, j'ai les réflexes. Qu'est-ce qu'on a dans ce barbecue? Oh! C'est du propane. C'est dangereux ça? Ouais, ça pourrait peut-être nous servir, on sait jamais. Ah bah je peux vous le dire, avant quand j'étais chaudronnier, ça va permettre de souder des choses, ça. Ah. C'est d'ailleurs, quand je vois ce qui est arrivé au bar, je me dis que si on a à construire des murs, ça pourrait être intéressant d'essayer de faire des renforts en métal. C'est quand même autre chose. C'est vrai, bien vu.
Carrie, je vous ai vu aller dans les voitures accidentées. Est-ce que vous avez regardé s'il y avait de l'essence? Ah non, par contre, j'ai trouvé des projecteurs, du matériel de chantier. J'ai tout mis dans le camion. Ouais, je vais jeter un petit coup d'œil du coup. Ah, on a le camion qui est rempli. C'est non, plutôt une bonne nouvelle. Dans la fourgonnette. Ça marche. Qu'est-ce qu'ils ont avec ces portes ? Quand ils accrochent une porte, ces marcheurs, ils pensent plus qu'à ça. Hein. Ça doit être une phobie. La phobie des portes, Gary, vous le pensez ? Ah, oh, peut-être bien. Hein. Et la cuisine, c'est bon une fois de plus. Encore des choses sympathiques. Encore des portes fermées au rez-de-chaussée, messieurs. J'entends encore des bruits, vous avez quelque chose à l'étage ? Non, pour le moment, j'ai rien. Être récupérable ce tapis. J'ai trouvé. Avez-vous réussi, Gary, à réparer un petit peu la remorque ? Non, du tout, j'ai pas pris le temps. Bon, j'essaie de vous faire ça. Là, il va falloir du matériel de pointe, mais je pense que je peux essayer de vous rafistoler un peu ça. Voilà, plein de pots de peinture. Jeff, vous nous entendez sur la radio ? Apparemment non. Il y a la porte là-bas, je l'ai pas ouverte. Mais je pense que c'est une chambre et... Ah, il nous faut le mettre là. Quelqu'un derrière, c'est ça ? Je pense, oui. Si vous pouvez rester pas loin... Dites-moi quand c'est sur le point de céder. Allez, ça tombe. C'est bon. C'est ici. Ah. Je vois que quelqu'un a déjà essayé de le planter. Ah. Il est coriace celui-là. Ah, c'est plutôt mon couteau à pain qui commence à fatiguer. Ah bah j'ai trouvé encore une clé. Pistolet. L'étage a été fait, messieurs. On est en train, oui. Ah bon. Il y a... déposer les pots de peinture. D'accord, il y a peut-être le garage, Jay. Un téléphone sans fil. Un petit coin de technologie ici. Un téléphone sans fil. Du garage est fermé. Ah, je peux peut-être réussir à l'ouvrir en effet. Elle se situe où ? Ici ? Juste là. Attends, je vais poser ça. Merci bien. Ah, il y a une autre porte. Ah. Qui est fermée aussi, effectivement.
Les poupées russes. Voilà. Merci mon père passe-partout, merci. Ah bah pas de soucis. On pourrait me prendre pour un voleur. Presque. Oh, comme ça me va bien. Oh mais je l'avais pas vu ça. Oh, manquerait plus que la moto. La moto pourquoi Gary? Regardez voir, regardez comme je suis beau. Hop là. Ah mais oui, magnifique. Mais c'est le casque que j'ai trouvé tout à l'heure. Ah mais dites, il est très beau. Oh, j'en ai pas l'intimité, mais... Vous êtes magnifique. Vous savez faire de la moto, Gary? Non. Ah c'est, voilà, je m'en doutais. Je vous voyais peut-être plus trop serein pour la moto. Faut être quand même sacrément casse-cou. Oui, non mais moi je préfère les voler. Quand il y a 4 roues, ça me va. Ah on est d'accord. Messieurs, je vais peut-être me débarbouiller un peu dans cette maison là. Je commence à être bien recouvert. J'ai trouvé 3 scies. Comme ça, j'en ai pas pris qu'une seule. Comme ça, si on a besoin de débiter des planches et qu'on ait plusieurs personnes pourront le faire. Ouais, ça va être parfait ça. Et un petit bol aussi, si on veut se préparer un petit bol de céréales.